Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien, on continue donc l'entretien donc de cette voiture, la petite citadine, la Fiat 500. C'est parti. Alors, la fois précédente, eh bien, on avait vu ensemble comment on remplaçait donc l'optique de feu arrière ou tout simplement qu'on remplaçait les ampoules. Cela dit, à l'arrière, on a d'autres ampoules qui se trouvent juste ici, les feux anti-brouillard et de l'autre côté, anti-brouillard. Et le feu de recul, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour remplacer donc les anti-brouillards ou le feu de recul, eh bien, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas accès, on est sur le pare-choc arrière et il va falloir, pour y accéder, qu'on passe par le garde-boue. Allez, on va se rapprocher. Voilà, on est au niveau de la roue arrière, arrière gauche et on va se rapprocher un petit peu du garde-boue. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a une trappe ici qui nous permet d'accéder donc au feu anti-brouillard. Donc on a la place de l'ouvrir à la main et d'y accéder si on a une petite main, d'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la roue. Déjà, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de place et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc ça y est, la roue est retirée et on voit beaucoup mieux maintenant donc la trappe qui se trouve dans le garde-boue. Donc pas besoin de retirer le garde-boue. Pour ça, eh bien, on prend un petit tournevis ou ça peut se faire aussi à la main. On le dégrafe. Hop. Voilà. On met de côté. Et donc là, on a accès. Donc on déclipse, on tourne et on a la fameuse vis en ampoule anti-brouillard. Donc voilà. Voilà, donc on a vu ensemble comment on remplaçait donc le feu anti-brouillard sur la petite Fiat 500. Donc je précise qu'on a exactement la même chose de l'autre côté. On n'est pas obligé de démonter la roue pour y accéder. Moi, c'était beaucoup plus facile pour placer la caméra et l'éclairage. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous servir, qui va vous aider. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on met le pouce et puis on peut s'abonner. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. À très vite.